Pour ce reportage à Valence, nous avions le choix entre trois personnalités. François Rabelais, qui a étudié ici en 1532, Napoléon Bonaparte, qui a été affecté au régiment d'artillerie de la Fère en 1785, et Florence Jette. L'histoire de Florence Jette, adhérente au Royal Parker Service à Valence, nous est apparue la plus intéressante. Et en plus, elle était disponible. Bonjour Florence. Bonjour Florian. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui au sein de ton établissement à Valence. Alors d'habitude, on commence par la présentation de nos adhérents et adhérentes. Toi, inutile de te présenter, tout le monde te connaît. Merci. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est il y a à peu près un an, tu as choisi d'être adhérente Euro et Parker Service sur ce site. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons? En fait, on souhaitait mettre une activité mécanique avec notre activité carrosserie qui était historiquement sur ce site. Et j'avais une petite agence Peugeot en centre-ville de Valence que je souhaitais aussi fermer puisque les locaux n'étaient plus adaptés. Et donc, naturellement, étant déjà dans la famille Stellantis, notre choix s'est tourné naturellement sur la marque Euro Repar puisqu'elle m'a été proposée par ma plaque, la CDPR. Et du coup, au bout d'un an, ton bilan? Très positif, on est ravis de l'image tout d'abord qui nous correspond, les couleurs, les panneaux. Et puis on a été très bien accompagnés, les logiciels sont faciles pour nous puisque déjà en terrain de connaissance. Et puis une bonne image de marque vis-à-vis de nos clients qui correspond déjà à nos valeurs. Donc en fait, ce qu'on va appeler l'onboarding pour devenir Euro et Parker Service, ça a été sans difficulté pour toi? Non, aucune. Euro Repar, plus de 1400 garages.